Chez Amazon Prime, merde. on a tenté l'impossible. Chez Amazon Prime, on a tenté l'impossible. Et bonsoir à tous les amis, bienvenue sur le live des Drex Riders. Ce soir nous nous retrouvons en compagnie de Rider. Salut tout le monde. Et de Drake. Donc ce soir c'est un live un petit peu spécial où on va suivre le match Real Liverpool en direct. Donc vous le verrez pas, nous sera donc en commentaire. Donc il y a Rider qui va commenter avec moi et on va laisser on va dire nos opinions, nos avis et trucs comme ça je pense. Et puis voilà, on affichera en temps et en heure les occasions, les buts, et tout ça, tout ça. Donc j'espère qu'en tout cas ça vous plaira, c'est un petit concept qu'on a voulu lancer. Et puis voilà, on verra ce que ça donne quoi. Si t'as quelque chose à rajouter, Rider, vas-y. Non, bah j'espère qu'on verra un beau match avec plein de buts, ça c'est sûr. Ah, ça c'est sûr. Et puis on va pouvoir discuter de plein de choses, donc même... Même si vous avez des questions sur des trucs un peu différents du match, on vous répondra d'abord le match en interférence. Donc voilà. C'est ça. On va en parler de plein de choses. C'est ça, c'est ça. Donc en tout cas, le pronostic que Rider annonce. Il annonce lui donc, vas-y, redis à tout le monde. 3-2 pour le Real. Hein. 3-2 pour le Real. Et moi j'annonce 2-1. Pour le Real, évidemment, avec des prolongations. Donc on verra bien qui s'approche le plus ou qui a raison. Donc là, pour l'instant, ils sont en train de nous montrer les compos. Donc du coup, j'ai pas trop suivi la première compo de Real, mais bon, je la connaissais déjà avant. C'est du classique. C'est du très classique. Et Liverpool, pareil, apparemment. Ouais, c'est du classique, c'est Liverpool parce qu'ils ont plein de blessés. Ah oui, c'est vrai, ils ont des... Oui, il y a l'autre qui s'est blessé aussi, l'attaquant, non? Bah, il y a autre qui s'est blessé, et d'autres. Donc, bah, c'était une compo tout à fait probable. Zanadot Zidane. Coup d'envoi va commencer peut-être. C'est Liverpool qui donne le coup d'envoi. Allez, Liverpool qui donne le coup d'envoi, c'est parti. Oui, Lovren. Le mec qui joue une finale de Ligue des Champions alors qu'il n'a jamais perdu sa ligne. Allez. Par contre, je connais pas trop le nom du joueur, donc je compte plus sur toi pour ça, par rapport à Liverpool et tout ça, parce que... Wow. J'ai envie de voir comment va jouer Liverpool, s'ils vont mettre la même intensité que contre l'AS Roma ou contre Manchester. C'est bien de marquer beaucoup de buts en plus temps. Vraiment, c'est évidemment le capitaine du Real. Hein. Ça fait comme deux Liverpool, le non, c'est pas mineur. Ah non, c'est Anderson, le capitaine de Liverpool. Bon alors, c'est quoi ton prochain jeu que tu as fait La The Crew 2, le mois prochain, c'est mon cadeau d'anniversaire en plus, c'est nickel. Et je vais peut-être me prendre FIFA 18, vu qu'il est en promo, si je peux, je verrai bien. Le 24 juin, je crois, 25, je sais plus, un truc comme ça. Ouais, en plus j'ai même pas dit bonjour moi, heureusement que tu l'as dit parce que j'ai fait le gros Oh la grosse occasion du Real.
Ah mais t'es hors jeu. Merde. Oh, il nous en fait peur. Oh. En tout cas, c'était beau. Par contre, c'est normal qu'ils affichent c'est normal qu'ils affichent pas le temps de jeu en haut, hein. Oh, Liverpool qui tape et mélange ses contrées par le Real. C'est Liverpool qui a le ballon, il se balade. Il joue en passe. Oh, le joli. Le joli sang. Enfin. Ouais, passe longue, un peu trop longue, un peu quand même là. Sorti. Ouais, Liverpool est devant les cages. Centre complètement raté. Real qui récupère le ballon. Oh, Liverpool qui subtile le ballon. Oh putain, comme il a piqué la balle. Salah. Oh. Varane qui est là pour le Bravo Varane. Sergio Ramos, c'est ça, Marseille. Ouais. Et Ronaldo qui nous a fait là. Faute de Marcelo. J'ai vu une image de Marcelo quand il arrive au Real. Il avait une tête mais d'enfant et il avait les cheveux super courts. C'était trop bizarre de le voir maintenant avec ses cheveux façon dread. Bah, pas de raid, mais bien bouclé un peu en bordel. Et Mohamed Salah qui pourrait être le premier joueur égyptien de la Ligue des Champions. Bonsoir à ceux qui sont sur le live, n'hésitez pas à venir parler. On joue pas, on fait que commenter le live, la finale de la Ligue des Champions, Real Liverpool. C'est pour ça qu'on est sur le menu. Alors attention, que va se passer quoi là? C'est quoi là du coup? J'ai pas su, c'est un coup franc, ouais. Coup franc de Liverpool. Oh, la frappe contrée! Non, pas trop, non, ils ont un peu merdé. Pas un bel jeu pour le Real, hein, pas mieux. Hein. Oh! Le contre magnifique! Oh putain! Le contre magnifique. Le Real qui a récupéré le ballon. Ils ont un super milieu quand même à Liverpool entre Kroos et Modric. En général, les milieux de terrain, c'est super. Bon ben, Benzema, c'est son dernier match de la saison en fait, hein, vu qu'il va pas en équipe de France. Ouais. Au Coupe du Monde. Tant pis pour lui. Hein. Ah ça y est, ça a affiché les minutes et enfin. Donc 6 minutes 15 de match. Il y a eu deux occasions à peu près. Oh, Liverpool qui devant. Oh, le gardien Real qui sort. Oh, dégagement de merde. Ah, plus son nom. Belle parade de pas parade mais belle interception, ouais. De parade. Ouais. Le gardien la masse qui sort et qui dégage ça. Donc, mais de beau tâche de Varane en tout cas, bien présent. Partenaire
Bon, Mini, regarde le foot. Là, il y a un bas pour l'instant, mais normal, je suis, ouais. Oh, le gardien, Real, bien. Belle sortie. Belle sortie, ouais. Ah, Liverpool, ils sont dangereux, là, ils mettent la pression. Est-ce que Real va faire comme d'habitude, va jouer beaucoup à la deuxième mi-temps? Ils aiment bien ça aussi, soit ils mettent la pression à la première, soit c'est à la deuxième. Elle est belle la parade. Bien sorti, ouais. Ça, c'est dangereux. Hein. Oh, ça, il en avance sur le ballon. Liverpool qui a encore le ballon. Centre de Robertson complètement divisé. C'est la reprise. Bah, c'est une tête au premier poteau. Après, il n'y en a pas comme dans le jeu. Il veut la croiser, sauf qu'il la prend mal et elle part dans les airs. Dans la tribune. Ouais, Zizou. Allez, Zizou. Montre-nous que ton équipe est la meilleure. Quand Zizou avec son petit pins du Real Madrid, ce sont ses stars. Ouais. Ah, un séjour à Thaïlande à gagner, ou 2500 €. Ça, j'ai pas eu le temps de dire la... Combien de tiers de fois le Real Madrid dispute-t-il consécutivement la finale de la Ligue des Champions? Réponse 1, 3ème fois. Réponse 2, 5ème fois. SMS. C'est la 3ème fois, je crois. Ouais, là, côté Mimi. Je sais pas si le regard de match avec nous, mais... Lego tacle de Modric sur Sadio Mané. Attends, moi le bonsoir Mimi. Bonsoir à Mimi alors. Bonsoir à Mimi alors. Ah, Liverpool, en attaque. Ah, contré par le Real. La petite faute. La petite faute est bien comme il faut même. Un des premiers ballons de Benzema. Oh oui, ça fait mal. Est-ce qu'il s'est pris un coup? Non, ça, apparemment ça va. Ah, avec un petit coup, ouais, c'est moins galop. Marcelo, allez Marcelo! Frappe de Marcelo! Et complètement à côté du cadre. C'était bien tenté. C'est la première frappe qui prend, je crois. Combien de minutes? 10ème minute, on va dire. C'est bien ce qu'il me semble. Sadio Mané a bien joué en France pendant 2 ans. À Nice. L'ancien joueur du championnat de France. Comme quoi, hein, on peut jouer à Metz et aller en finale de la Ligue des Champions. C'est ça. J'espère qu'il n'y a pas de supporter à Metz. Ah ouais. Obligé, hein, de toute façon. Voilà. Ouais, parce que bien dans le chat, c'est un petit peu tourné. Mal tourné, donc ça pouvait prêter à comprendre comme quoi ça peut faire quoi. Allez, Real, allez! Oh, la Cross aussi, c'est un putain de joueur. Sergio Ramos, on n'en parle pas. Entre Cross et Modric. Et puis les attaquants, on en parle. Les attaquants sont bons, mais sans les deux milieux pour donner les ballons. C'est ça. D'accord, Ronaldo est bon parce que si Benzema cette année, c'est pas une grosse saison. Je crois qu'il a. En termes de statistiques. Je crois qu'il a pris la grosse tête surtout. Je pense que ça y joue. C'est pas si c'est ça, mais en tout cas, il est dans une période un peu moins faste. Et puis. Voilà, ça arrive. Hein. C'est ça.
qui fait un très gros match ce soir et qui marque deux buts, tu verras qu'il ne puisse pas oublier. Allez, c'est Real qui a le ballon. Ils ont toujours le ballon. Et regarde le titre que t'as mis sur le live. Je crois que t'as oublié des lettres. J'ai oublié le L à finale, merde. Ah, il y a un E aussi. Hein. Finale. Ah oui. Attends, je modifie ça. Hop. Oh la grosse faute! On va prendre un carton. Hop, non. Ah non! Voilà. Ça sort bien, c'était le bâtiment de la première. Ce qu'il aurait pu, il aurait pu. Lundi, il y a un bon match aussi lundi. Frappe de Liverpool. Contré, mais renvoyé toujours dans les pieds de Liverpool. Deuxième frappe. Oh, troisième frappe de Liverpool. Ouais, oh, il se mêle les pinceaux. Allez, conserve le ballon. Hein. Un centre. Oh, jolie parade du gardien. Bon, Liverpool qui joue en style habituel, c'est-à-dire du pressing très très haut, qui harcèle les joueurs du Real quand ils récupèrent le ballon. Donc c'est vraiment leur style de jeu. Oh, joli! Et Liverpool! Ah, mais l'ont contré. Real qui récupère la balle. Allez, Benzema! Oh. Ça m'a donné. Ils ont chié la passe. Benzema avait demandé ballon, mais. Mais crois ça, complètement chier ça passe. T'as parlé trop vite. Ah, Real. Allez. Oh, bonne attaque de Real. Oh, la frappe de Ronaldo. Dommage. Comme d'hab. Ronaldo qui va un peu trop perso alors qu'il y a deux joueurs dans la surface pour le Real. Ouais, il aurait pu faire un joli centre, une passe profondeur maintenant. En plus, il lève une fois la tête, mais non. Ouais, il va juste être un petit peu trop perso sur ce coup. Ouais. Du Ronaldo. Du Ronaldo, quoi. Simplement. Bon, Varane, le transversal comme ça, c'est bien plus, c'est pas grand chose. Marcelo, qui a récupéré le ballon pour Milner. Marcelo, avec Modric. Ronaldo reste sur le côté droit, car Varane est là, qui va chercher Ronaldo justement. Ronaldo fait sa première. C'est bizarre de voir Ronaldo sur le côté droit, il est toujours sur le côté gauche. Hein. Cette ligne qui se densifie avec Mohamed Salah à côté droit et Sadio Mané à gauche. Isco. Allez Isco! Isco qui a fait une très grosse saison l'année dernière, mais cette année il a eu du mal. Marcelo, Isco, Isco, Marcelo! Centre de Isco! Oh, dommage, repoussé par Liverpool. Et Real récupère rapidement. Oh, Sadio qui part. Qui pique le ballon Ronaldo, mais directement récupéré par Modric. Robertson qui récupère, et hop! Oula, Liverpool, ça. Ils sont à deux! Ronaldo
perd quand même beaucoup de ballons, je pense. Ouais, contre-attaque de Liverpool qui aurait pu être un peu plus dangereuse. Mais ça, Varane. Oh non! La boulette! Corner pour le Liverpool. Ouais. Mauvaise passe complètement. Ah, il s'est foiré dans sa passe. Toujours ce souhait de relancer dans toutes les conditions. Côté Real. Attention, hein, attention, corner, c'est une arme pour Liverpool. Les Reds ont marqué 5 buts sur corner en Ligue des Champions. Ramos, c'est un guerrier sur le terrain. C'est mieux que là, mais. C'est un guerrier. C'est le genre comme ça qui manque au Paris Saint-Germain. Ah merde, je croyais que j'ai le live qui. Enfin, il est toujours là. Ah, c'est bon. Oh, deuxième poteau! Mais surtout la mauvaise sortie de. Du gars. Navas, hein. Navas a merdé. Oh, heureusement qu'il la reprend mal de la tête, hein. Qu'il ne peut pas la reprendre, hein. Ouais. Parce que là. Mais les gardiens étaient battus, hein. Ah, bah, le gardien sort très mal, surtout. Une belle relance dans les pieds de Marcelo. Assez exceptionnel, même sous la pression, ça reste collé au pied. Tony Kroos, Cristiano Ronaldo. Ah bah voilà. Bon, en réel, fait tourner le ballon, mais. Pas trop de solutions pour bien relancer. Pour... Liverpool, Emmanuel. Ça joue beaucoup entre Ramos, Kroos, Varane, Modric. Et Varane qui relance pour Pilar. Pilar Navas. Et voilà, c'est le Real qui perd mal. Ah, c'est. Ils ont du mal le Real à sortir, à se procurer de l'occasion, à jouer. Ils ont tourné le ballon, mais rien d'exceptionel. C'est ça. Ils ont un peu de mal à même aller dans le camp de Liverpool, ils n'ont pas beaucoup de dents. Quand ils y sont, ils ne s'avancent pas trop loin. Ça, c'est à cause du pressing de Liverpool. Hein. Ils sont très bon pressing. Ils sont bons hein, sur ça. Hein. Et ça, il y a l'air. Ah, c'est pour ça qu'ils ont embêté plein d'équipes cette année. Hein. Manchester City, juste champion d'Angleterre, avec je ne sais pas combien de points d'avance. Là, c'est trop mal. Ils ont emmerdé. Ils ont mis 5-2 à l'aller. Ils ont perdu 3-2 au retour, je crois. Mais ils ont mis deux fois 7-0 en poule aussi, Liverpool contre Maribor et contre Spartak Moscou, je crois. Il est blessé ou quoi, là? Qu'est-ce qu'il a? Non, il a dû... Wijnaldum, je sais pas comment ça se dit, il a dû prendre de l'herbe dans l'œil. Ouais, il a dû se prendre un doigt dans l'œil. Vaut mieux le prendre dans l'œil que dans le cul, hein, celui-là. Ça, c'était fait, hein. La tête de Ramos. Allez, tête de Ramos qui va dans les pieds de Marcelo. Marcelo fait la passe. Isco, il tombe. Faute de Liverpool. Ouais, il se laisse tomber parce qu'il va, il sait qu'il va perdre le ballon. C'est gentil. Il a choisi Zidane. Un but est gentil. Pardon, la saison dernière, exactement le même. En tout cas, si Real gagne ce soir, Zidane aura gagné sa troisième Ligue des Champions comme entraîneur d'affilée, ce qui n'a jamais été fait. D'autres entraîneurs ont gagné, il y a deux autres entraîneurs qui ont gagné trois Ligues des Champions, mais en plusieurs années d'écart en fait. Plus ça serait juste en trois ans d'affilée. Exceptionnel. Oh ! Faute ! Liverpool, oh, il a blessé, non ! Caraval, non ! Ah, il va se relever Caravaral. Il essaie de ah ouais, et le bon, il le percute pas trop méchamment, mais il prend le jeu. C'est genou contre genou, quoi. Ça fait mal. Ouais, c'est ça. Oh, le dégagement. Liverpool qui récupère à l'attaque. Contré. C'est mal donné, ouais, mais contré pour le Real. Sergio Ramos il a récupéré. Oh,
le petit extérieur de Varane. Non, c'est pas Varane. Je sais pas qui c'est. C'est pas Varane, c'est pas Mexico, mais. Très demi, je pense. Mais plutôt très compliqué et pas très bon. L'extérieur pour dégager en fin de milieu de la zone. Pas très malin. Ouais, Liverpool, un joueur Liverpool qui est en train de balader le petit défenseur Real. Toujours Liverpool en attaque pour l'instant. Encore en train de faire le gros pressing sur les défenseurs Real. Oh! Oh, le centre! Le centre Liverpool! Frappe ratée, contrée, retire. Oh, joli arrêt du gardien. Bravo, bien joué. Grosse stockade de Liverpool encore à la 22e minute 37. La 1-2 était belle. Non, elle est pas en jeu. À la limite, il est. Firmino qui est contré par Ramos. Et après, c'est le 66. Alors, je sais pas qui c'est. Ah, c'est pas Anderson. Non. Oh, il a un nom. C'est qui qui a tiré à Liverpool? Je sais pas. Il a un nom composé. C'est le défenseur droit. Que je puisse le mettre en commentaire. Je vais j'arrive pour aller sans. Il s'appelle pas, tu lui siffles. Alexander Arnold. Alexander. Il a 20 ans. Arnold. Et beau arrêt de Navas. C'est 2S, hein, c'est ça? Non, c'est N-A-V-A-S. Ah oui, c'est vrai, Navas, oui. Voilà. Marcelo qui a un chi terrible. Voilà, touche. C'est pour lui la touche normalement là-dessus. Ah, on le ralentit s'il vous plaît là. Parce que je suis pas sûr. Non, mais c'est sûr, il n'y a pas besoin de ralentir, c'est certain. L'arbitre. Hein. L'arbitre de touche, il déconne. C'est l'arbitre de touche qui merde. Ouais. Oh, accrochage, allez! Le Real en attaque, allez, putain, mais il recule, mais non, c'est là-bas. Dans l'autre sens. Ah, faute. Faute du Liverpool encore. Ça fait déjà la troisième. Ah, Mohamed Saïd qui est blessé. Mal à l'épaule. Alors, est-ce que c'est juste un coup pire? Merde, pas mal. T'en fous, tu joues avec les pieds, putain. C'était une école. Ah oui, ah, tu m'étonnes qu'il est mal. Il tombe sur l'épaule, le joueur. Hein. Ça doit faire mal, hein, effectivement. Mais tout son poids dessus. Hein. Imagine, il perd ce soir, il se blesse et il rate la Coupe du Monde à cause de ça. Enfin, les boules. Pas la Coupe du Monde, c'est la finale. Ah, il est blessé, oui. Oui, là, mais lui, regarde, il se blesse ce soir, il perd en Ligue des Champions la finale. Et comme il se blesse, il ne peut plus aller en section pour la Coupe du Monde. Blessure sûre, comment il s'appelle lui? Mohamed Salah. Ah, moi. Ah, Mohamed Salah? Je sais même pas comment ça s'écrit, c'est pas grave. Salah, ouais, c'est ça. Et c'est qui fait... Ah, c'est Sergio Ramos en plus. Ouais. Ah, on dirait qu'il fait le bras à moitié. Ouais, c'est ça. Dans le bras, il tombe. Ah, mais il tombe sur. Ah, ouais, non. Ouais. Il tombe juste sur l'épaule. Et... juste là. Mais oui, il y a faute là, normalement. Ah, oui, là, il y a faute, oui. Ouais, mais l'arbitre s'y fait pas, il est jaune. Bah, c'est bon, apparemment, il repart. Il a mal, hein. Il a un peu mal, ouais, mais il a mal. C'est parfaitement volontaire. Volontaire par Sergio Ramos, oui. Ça se voit que c'est volontaire. Le mec, il fait limite une clé de bras, il retombe dessus. Hein. Voilà, au moins carton jaune, peut-être, ou un gros avertissement, mais. Ah, mais il sort? Non. Non, il se fait soigner, donc il est obligé de sortir du terrain pour se faire soigner, mais bah, on... Donc Liverpool qui joue pour l'instant avec un joueur en moins, ça peut donner une occasion au Real, ça. Bon, après, c'est... voilà, il vient de rentrer, c'est bon. Donc ils auront joué 5 secondes. Ouais, c'est bon.
Et en plus, c'est un attaquant. Donc pas très oh, Liverpool qui refait une attaque encore. Ça y est, je crois qu'ils n'ont pas accepté que leurs potes soient blessés. Mettre la pression, le pressing. Ouais, il va s'enfermer un peu. Il a voulu chercher le corner, donc a priori il demande le corner, mais ce sera un renvoi aux 6 mètres. Il aurait dû avoir corner, parce que Varane touche le ballon. Ah oui, ouais, non, mais elle était déjà sortie. Ah non, il y a corner. Il y a corner de Liverpool. À la... C'est-à-dire, tu te demandes à quoi il sert l'arbitre de surface, il est juste en face. À la 27, 27 minutes 22, corner Liverpool. Ils se mettent en place. En tout cas, Liverpool domine. Hein. Ouais, pour l'instant, clairement, ouais. Oh oh faute sur Navas, ouais. Là, tu t'as vu comment il t'a dégagé? Là, tu sais, il met. Il le tape en arrière. Ah merde, Mohamed Salah, il sort. Ah bah alors là, ça change tout parce que c'est leur meilleur buteur. Oh merde, putain, Mohamed Salah qui sort à la 28ème minute. Putain, dommage. Ah, c'est un gros coup dur pour Liverpool. Sort sur. Sort sur blessure. À la 28ème. Dommage. Ils ont perdu leur meilleur buteur. Leur poule, ça va peut-être tout changer. Ah bah de toute façon je l'avais vu comment il s'est blessé, c'était sûr. Ah, il en pleure. Déjà il en pleure parce qu'il doit avoir mal et il en pleure parce que ça le fait chier surtout aussi. Bah ça le fait chier de sortir. Bah ouais. Raté une finale de Coupe du Monde sur blessure au bout de 28 minutes et tout ça. Et puis bon je pense que c'est pas trop grave, la Coupe du Monde sera pas niquée pour lui mais... C'est pas la Coupe du Monde c'est... Ah du coup c'est... Dans 3 semaines il y a la Coupe du Monde, les Égyptiens ils vont jouer à la Coupe du Monde. Si c'est une grave blessure, il n'ira pas. Ah oui, oui. Oui. Ah bah oui. Vu comme ça, oui. Ah oui, mais oui. Ouais, du coup c'est qui rentre? Je sais pas encore. Bon, je pense qu'il va avoir quoi, 2-3 semaines au réduit, quoi. Il y a peut-être moyen qu'il soit là pour l'ouverture de la Coupe du Monde, quoi. En tout cas, il rentre directement au vestiaire. Ouais, ça a fait comme Ronaldo à l'Euro, sorti quasiment à la 28 minutes, pareil. Ouais, mais c'était la finale, quoi. Enfin, c'est la finale aussi, tu vois. Hein. Et c'est Lallana qui va sortir, qui va rentrer. Ouais, c'est Adam Lallana qui remplace Mohamed Salah. Et lui, je crois qu'il a joué à l'AS Roma quand Rudy Garcia était entraîneur de l'AS Roma. Allez, Liverpool, faut pas vous laisser abattre pour ça. Même si je suis pas forcément pour vous, j'avoue que vous jouez très très bien, vous mettez la pression au Real. Ah joli, c'est joli la petite passe de Marcelo. Oh, Benzema qui a le ballon. Passe dans Modric. Modric attaque, contré. Belle passe, beau décalage de Benzema en tout cas. Oui, belle passe. Benzema qu'on a très peu vu, bah, comme Ronaldo, comme... Bah, faut... En même temps, le ballon il est pas trop devant pour l'instant pour Real. Hein. Donc c'est sûr qu'ils vont pas venir chercher. Hein. Quoique, Ronaldo l'a déjà fait. Il a déjà traversé le terrain lui tout seul pratiquement. Benzema,
Ronaldo, Cristiano Ronaldo qui fait la passe à Marcelo. Marcelo qui fait un centre sur Ronaldo. Benzema qui récupère. C'est dégagé. Ouf, ils ont eu chaud. 3-4 joueurs autour de lui. Touche pour Real qui joue directement. Ça joue rapidement. En tout cas, Real commence à sortir la tête de l'autre depuis que Salah est sorti. Ouais, ils ont. Depuis qu'il est sorti, ils ont le ballon et ils ont déjà eu deux occasions. Ou l'attaque de. Non. Faute, non. Se sont un peu embrouillés les pédales, je crois. Toni Kroos. Avec Isco. Isco. Benzema. Non, oui, Benzema. Voilà, du coup, ça joue trop vite. Et je suis pas commentateur professionnel. J'ai du mal à suivre les joueurs. Ouais, bon. Bon, là, ils font tourner le ballon. Hein. Ils essayent de trouver une ouverture, le Real. Marcelo qui est très haut quand même. Marcelo qui touche beaucoup de ballons aussi. Ben, c'est un bon dynamiteur, Marcelo. C'est un défenseur, mais très bon. Très bon contre-attaquant. Très beau technicien aussi. Ah, Marcelo. Ronaldo qui avait pas suivi, là, il fait la face à. À Carvajal, mais qui n'avait pas suivi derrière. Et Carvajal a voulu faire une talonnade, et personne. Ouais, tu m'étonnes qu'il est sorti. Hein. T'as vu ça, il lui tombe sur l'épaule et tout, en clé de bras. Ah, le pauvre. Il a voulu faire une roue, tel un gymnaste, mais il s'est planté. Ils se sont trompés, ils se sont cru au judo. Et... Ronaldo, en tout cas, qui le salue quand même pour sa sortie. Hein. Ouais, c'est juste pour montrer que. Ouais, c'est un. Oh, un blessé chez le Real! Oh, c'est qui? C'est Carvajal? Ouais, c'est Carvajal? Oh putain! Ouais, il pleure! Donc, lui, c'est fini aussi pour lui le match ce soir, je pense. Vu qu'il est en pleurs, à mon avis, il doit souffler. Alors par contre, je sais pas comment il s'est blessé, mais personnellement, j'ai rien vu. Moi non plus, j'ai pas vu. À mon avis, c'est l'action précédente où il veut faire une talonnade. Ah, attention, on le voit au ralenti. Voilà, c'est cette action, et là, il est un peu poussé dans le dos, et on voit rien du tout, en fait. Et... Mais y'a rien. Est-ce que c'est pas la cheville? Non, c'est pas la cheville, je sais pas ce que c'est. Il s'est pris un tampon, est-ce que quoi, je sais pas. C'est bizarre. Ah, il s'est claqué. Quand il a tendu la jambe, quand il était tendu en arrière. Ah, oui. Il a voulu faire la tête. Ouais. Ouais. Un claquage, par contre. Mais claquage, c'est soit ça passe avec la bombe qu'ils ont. Soit si c'est vraiment claqué, c'est fini. Mais ça fait mal un claquage. Ah oui, mais c'est ça, c'est surtout ça que j'étais en train de penser à Bill Bedley de dire. Si c'est claquage, c'était pas de Coupe du Monde. Parce qu'il sera pas remis pour le début de la Coupe du Monde. Donc il raterait la Coupe du Monde aussi. Il tombe en France quand même. Oh putain. Ah, mais il sort. Et il est sorti. Dani Carnaval est sorti. Et c'est Nacho qui le remplace. Nacho, ouais, Nacho. Ah putain. Carnaval qui sort sur blessure aussi. Donc, claquage. Et c'est beau, c'est les supporters de Liverpool qui applaudissent la sortie de Carvajal. C'est beau. C'est rare de voir ça. C'est quoi, à la 34e minute à peu près, ouais. En tout cas, c'est une finale un peu douloureuse là. Faute de grosses occasions, à part une pour Liverpool, les deux tirs. À part ça, c'est plutôt une finale qui est animée par les blessures. Oula. Attaque du Liverpool. Bravo, bien joué le gardien. Allez, Marcelo.
C'est pas Carnaval le nom du jour, c'est Carnaval. Pourquoi? Bah t'as marqué. Ah non, c'est pas lui, c'est TNF qui a corrigé. Ah merde. Merde. Putain, comment ça s'écrit du coup, car. Carnaval, en fait à la place du V tu mets un J. Carvaral, donc Carvajal. Ouais, c'est ça. Ah, ça décale bien. Ah, Isco et Ronaldo qui ont changé de côté. Permuté, les deux. Ou alors, c'était peut-être comme ça au départ, ils allaient être permutés tout à l'heure. Bon, l'instant, le Real joue, il cherche une ouverture. Il joue Carnaval pour l'instant. En tout cas, Liverpool a une très très bonne défense et c'est compact, quoi. Hein. Le centre. Corner pour le Real. Est-ce que ça serait pas le premier corner pour le Real, si. Il a mal, lui. Hein. Il me semble. Ah bah lui, non, mais c'est... Ouais, il a mal. Il a pas l'air d'avoir tant que ça de mal, vu qu'il marche. Mais il sait juste que sa finale de Ligue des Champions est terminée. Hein, et que sa Coupe du Monde, il y a de grandes chances qu'il n'y soit pas à 95%. Donc, c'est ça qui doit le... Qui doit le faire pleurer. Ce qui est compensé. T'imagines si lundi pour l'équipe de France qui joue en plus pour par rapport à la Coupe du Monde, il y avait un blessé. Ça me casserait les couilles. Hein. Oh Marcelo, le joli centre pour Benzema. Oui, ça s'est bien fait. Benzema qui fait. Dommage qu'il n'ait pas tenté quelque chose à Isco. Isco, 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 Benzema. Et non, ça donne rien. Qui est venu contre Milner. Et tu vas regarder le match lundi? C'est quoi comme match? Mais c'est France. France, je sais plus quoi, c'est pour les préparatifs de la Coupe du Monde. France, je sais plus. Attends, je te dis ça de suite. Je te dis ça de suite. Ah. Ouais, ouais. C'est le... En fait, il joue pour les préparatifs. Il joue déjà? Mmh. Là, c'est les préparatifs. Ah oui, c'est France-Irlande. France-Irlande, voilà. Je sais pas. Moi, en tout cas, je le regarde et la Coupe du Monde, je suis tous les matchs qu'il y aura sur TF1. Si possible. Non, ça passe que sur TF1 et Beyond Sport cette année. Et TF1, ils diffusent que tous les matchs français et les gros matchs. TF1 vont peut-être mettre des matchs sur TF1. C'est possible. Et t'as vu, en tout cas. Attendez, action, action, c'est contré. Contre-attaque. Ah, Isco, bien joué, en première intention Real. Real, Ronaldo, pardon. Ronaldo qui chie complètement sa passe. Ah, de Ronaldo. Mauvais tempo. Ronaldo, ouais, qui a fait un par un tir que j'ai fait aussi tout à l'heure. Est très très absent de cette finale. Hein. C'est pas la première fois qu'il est absent des fois, Ronaldo. Hein. Ouais, oui, après il faut pas beaucoup d'occasions pour marquer. Mais... Aussi. C'est décevant quand même. C'est un joueur que t'as envie de voir en pleine forme. C'est juste magnifique. Ouh, ça s'est bien fait. Oh, dommage. Benzema qui en mettait en première intention pour Ronaldo et Ronaldo. Le défenseur, alors c'est soit le vrai ou son acolyte qui est passé juste devant Ronaldo au moment où il avait frappé. Donc pas de frappe, dommage, mais sinon la remise en première intention de Benzema était tout trop bien faite. Bravo, c'est avec Raphaël Varane. 25
Prime, mais il était blessé lors de la finale de Marseille contre Lisbonne. Donc comme je te disais tout à l'heure, pour la Coupe du Monde, j'ai regardé un petit peu les groupes, tu sais. Ouais. Et bon, l'équipe de France, ça va, le premier match d'ouverture, on joue contre l'Australie. Ouais, c'est tranquille, normalement, entre l'Australie... Oh, oh, but, c'est réel. Benzema. Ah non, il est hors-jeu. Oh putain, non, il est hors-jeu. Oh non. Tête de... Putain, là, tu fais une tête à la contrée pour le gardien, Benzema qui reprend, et hors-jeu. Ah, c'est même la tête du premier joueur est en jeu normalement. Ah oui. Oh, c'était une belle action, dommage. Ah, mais c'est Ronaldo qui fait la tête. Putain, on dirait de deux, on n'aurait pas dit Ronaldo. Mais c'est Benze... Ah, c'était Ronaldo de tête, la tête, je l'ai même pas reconnu. La tête, c'est Ronaldo, et celui qui marque le but, c'est Benzema en fait qui avait suivi. Ah, c'est Ronaldo qui a tiré hors jeu, donc c'est la tête. Benzema était pas hors jeu. Oui. Ce que je disais, c'est que... Et donc là, à la Coupe du Monde, ceux qui vont galérer le plus, c'est premier match d'ouverture pour le Portugal. Tu sais qui c'est qu'ils affrontent? Premier match d'ouverture pour eux. Ah, ils sont pas contre l'Espagne, ils ont le même groupe que l'Espagne. Ils sont contre l'Espagne. Premier match d'ouverture. Ça va être tendu. M'en fous, moi je suis pour l'Espagne. J'ai toujours été pour eux. Portugal. En plus depuis qu'ils nous ont battus. Hein. Non, surtout depuis ce qu'ils ont fait aussi à l'Euro. Déjà que je les portais pas trop dans mon cœur, voilà. C'est bon quoi. Il y a des joueurs que j'adore dedans, c'est pas le problème, mais je suis pas pour l'équipe portugaise quoi. Même s'ils sont bons, je critique pas, attention, pour ceux qui sont fans de Portugal et qui reverraient la live ou la diffusion, voilà, j'aime bien, mais je suis pas pour eux quoi. Je préfère l'Espagne. En tout cas, une chose aussi, c'est que depuis que Mohamed Salah est sorti sur blessure pour l'Union. Oh Benzema! Fais un centre! Oh! Oh la frappe magnifique de Nacho. Nacho. Il reprend le centre, mais il peut pas la cadrer quoi, c'est dommage. Super beau centre de Benzema. Magnifique. Magnifique action. Parce que j'étais en train de dire, il y aura 3 minutes de temps additionnel. D'ailleurs, c'est un arbitre français ça, qui met le temps additionnel, c'est l'action sur fin. Bah tu vois, même à la télé, ils le disent après moi, tu vois. C'était Monsieur Turpin. J'ai le commentateur. J'ai rien parlé de commentateur, je vais prendre leur place. Putain. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que... Depuis que Mohamed Salah est sorti là, sur blessure, on voit beaucoup moins Liverpool à l'attaque. Donc ils se disent beaucoup plus. Ça a duré le Real Madrid, je sais pas, mais... Tu vois. Le match a complètement changé de style, mais... En tout cas, on a affaire à un beau match. Il y a de chaque côté, ça joue. Un blessé dans chaque équipe, au moins comme ça, il n'y a pas de jaloux. C'est ça. Mais bon, pour l'instant, Marcelo qui récupère la balle. Marcelo, et Marcelo se fait contrer. Corner pour Real. Ah, c'est cross au corner, cross. Et non, ça donne rien du tout. C'est pas très bien frappé, c'est levé au premier poteau. Donc forcément, ça dégage direct. Hein. Bon, Real qui a toujours la balle, par contre. Oh, faute. Même pas. Hugo, il faut gros coup d'épaule, il n'y a pas faute. Ouais, c'est un bon gros épaule contre épaule. C'est un bon pressing. Ouais, le foot
c'est un sport de contact. C'est un bon. Ouais, mais je pense. Contre épaule, il y en a un qui tape un peu plus fort que l'autre, il y en a un qui tombe pour essayer de trouver un coup franc parce qu'il savait qu'il allait perdre le ballon sinon, qu'il avait aucune solution. Ouais, l'arbitre s'est pas laissé avoir. Tout à l'heure, Mohamed Salah, lorsque Liverpool est bas, lui propose dans la profondeur, on peut le trouver sur du gelon, ce qui n'est plus qu'à maintenant. Allez, Real qui fait en attaque encore. Marcelo, Benzema. Benzema, il frappe! Et c'est pas cadré! Dommage. Frappe de Benzema. Benzema court un peu plus ces 7-8 dernières minutes avec un but refusé pour en jeu de Ronaldo sur un magnifique centre pour Nacho. Et puis là, pour une frappe qui passe juste à côté du but en tout cas. Très vite au sol, après on s'attarde sur la position de Karim Benzema. Quoi qu'il arrive, je pense que c'est la bonne décision qui a été prise par l'assistant de. C'était côté gauche qui est sorti. C'est difficile encore. Je sais pas qui signale en jeu, mais Benzema n'a pas l'air d'y être en tout cas. Ah, il y a eu bien choc, tête contre tête, je pense. Entre Firmino et Casemiro. Il me semble que c'est Casemiro qui va se faire pour le Real. En tout cas, Firmino est assis, je crois. Bon, pour l'instant, je voudrais pas t'embêter, mais mon pronostic tient plus que le tien, hein, pour l'instant. Hein. Ah non, on aura une seconde mi-temps complètement. Ah, est-ce que la mi-temps? Ah, mi-temps! Là, il sent que j'ai entendu l'arbitre siffler. Hein. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Bon, petite mi-temps, donc. Donc voilà, petite mi-temps tranquille. Vas-y, mets la pub, on va faire pipi. Pub! C'est ça. Bon! Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a à dire sur cette première mi-temps? Liverpool qui a mis un gros coup de pressing les 30 premières minutes. Real qui s'est retourné après la sortie de Mohamed Salah. Et puis, trois grosses occasions du Real. Ronaldo. C'est Ronaldo, ils ont dit. Si, ils ont dit. C'est la tête de Ronaldo qui est hors jeu. Ouais. De Ronaldo. Ouais, mais l'arbitre lève, si c'est sur une tête de Ronaldo, l'arbitre lève vachement tard son drapeau parce qu'il lève une fois que Benzema a marqué en fait. Ouais, mais ça a joué vite. Hein. Parce qu'il fait la tête, elle reprend. Voilà, après, c'est un petit peu bizarre, on va dire. Bizarre. Mais bon, pour l'instant, une chose est sûre, c'est qu'il y a un blessé partout, il y a 0-0. Et que c'est la pause, et que je vais aller faire pipi. Donc à tout de suite. Je peux ? Non ! Bon, la pub, on s'en fout un peu, quoi. Ah! Oui, c'est vrai, je sais.
Eh ben coucou, je suis de retour pour vous jouer un mauvais tour. Afin de préserver Pokémon, quoi. Ah ouf, oui, la guerre. C'est ça. Pokémon, attrapez-les tous. Bon, en tout cas, on entend pas beaucoup Mimi ce soir. Bah, non, regarde sa série. Là, elle est au téléphone, du coup. Et alors ? Mais oui, mais tu m'as pas répondu. Bah, tu regarderas. C'est dommage que t'aies plus FIFA 17. FIFA 17, j'allais dire. deux boulettes que je sors ce soir, carnaval, Fifi 17, oui, vas-y continue comme ça, tire à l'eau dans la vie. C'est ta copine, c'est ta maîtresse sur Tinder, ça, Fifi 17, c'est ça. Non, pas sur Kinder. Mais au pire, la fleur, toi, tu la prendras et puis tu me. Regarde quoi comme série, lui ? Je sais pas, sa série, je sais pas ce que c'est. C'est sur comment ça s'appelle, Netflix. Ouais, Netflix, ouais. Et toi, c'est quoi ton prochain jeu que t'achètes ? Je sais pas trop. J'ai pas trop regardé s'il allait sortir incessamment sous peu. Bah le prochain que je sais que je vais acheter dans tous les cas, c'est Tomb Raider. Ouais, mais ça c'est qu'au mois de septembre. Oui. Sinon, ouais. Mais sinon rapidement, je sais pas. J'ai pas trop regardé. T'aimes pas les jeux de voiture et tout ça ? Bah, je suis pas un grand fan. Après, je sais que le coup, tu peux jouer en. Tu peux jouer à plusieurs dessus. Comme le 1. Tu peux jouer jusqu'à 4 dans la même crew et tu peux te balader et faire la campagne et faire des courses à côté. Pourquoi pas, tu vois, pour jouer ensemble, au pire. Surtout que moi, j'ai du monde en plus à ce crew qui m'attend, donc on sera nombreux, donc c'est cool. Ça, le 2 en plus, là, ils ont amélioré la conduite, les graphismes. Tu conduis voiture, avion, bateau, ouais, attends, les motos, comme dans le 1. Et tu pouvais pas déjà faire ça sur le. Non, sur le 1, c'était que voiture, moto. Et Monster Truck, voiture drag et drift, mais c'est tout. C'était que sur la route, quoi. D'accord. T'avais pas les airs ni l'eau. J'aurais bien voulu acheter le nouveau jeu de tennis qui est sorti, la Tennis World Tour, mais il est à 75€. C'est un peu chier pour 75 balles dans un jeu de tennis, surtout. Là, sur PlayStation Store, après, je sais pas s'il est. S'il est peut-être moins cher ailleurs. Hein. Et bonsoir à personne qui rejoint le live. Bon, là on fait notre petite pause pub. Hein. C'est ça.
Je comprends pas couper le son de la télé parce que ça sert à rien les pubs. Ah bah de toute façon, a priori, je ferais bien de ne pas l'acheter parce que la version, j'avais vu les notes qu'il y a. C'est pas plus mal que je le prenne. Que je ne le prenne pas, les autres tennis, c'est pareil. Donc c'est juste cool. Mais sinon, ouais, non, je sais pas trop ce qui sort. Je crois que j'allais voir ça. À 12h30. Donc du coup, je pars d'ici à 9h pour que ça soit à la maison à 9h30. Comme ça. Ah, il y a Black Ops 3 qui a l'air vraiment pas mal, mais qui sort en octobre. Non, non, pourri. Il y a plus de solo, c'est que du multi. Ouais, je sais bien, mais. Mais ce que je dis, me plaît du coup. Qu'est-ce qui peut sortir d'autre? Ça sert à rien que tu t'achètes un jeu Call of Duty alors que t'es mauvais quoi. Ça sert à rien, tu vas encore rager et tout, tu vas encore faire des scores de merde. Ça sert à rien. The Crew 2 il sort le 29 juin. Ah, 29, voilà, c'est ça. Bah après, faudra voir. Il y a un jeu qui avait l'air pas mal, c'est Non, je viens de le voir. Soul Calibur 6, je sais pas quand il sort, par contre. Ouais, c'est des combats entre persos. Ouais, je connais Soul Calibur. Je sais pas quand ça, il est sorti 2018, mais il est pas... Ils en mettent pas plus. Tiens, c'est ça que je voulais écrire à Alison. PES 2019, c'est bien un jeu que j'achèterais pas, les 38 2018. Je préfère FIFA. Ah bah quand t'as goûté à FIFA, ouais, t'as pu. Avant j'ai commencé sur PES à l'époque, sur PS2, PS3, et le jour que je me suis mis à FIFA, c'est terminé. Bah c'est exactement ce qui m'est arrivé aussi. Le seul truc à PES que j'aimais bien par rapport à FIFA, c'était le seul à le faire, c'est que t'avais le mode Coupe du Monde, que tu n'as pas sur FIFA. Qui arrive sur FIFA 19 d'ailleurs. Et sur FIFA 18, je crois qu'ils l'ont mis. Mais sinon, c'est tout quoi. Tout ce qui est gestionnaire des personnages, c'est beaucoup mieux FIFA. Les transactions et les trucs sont beaucoup plus vrais que sur PES. Donc en même temps, c'est FIFA quoi. Je veux dire, c'est eux qui s'occupent du foot en vrai. Donc ça peut qu'être bon quoi. Et puis PES et graphisme, honnêtement. Les personnages. Ils ressemblent tous à des séances, j'ai l'impression. C'est trop mal fait. C'est ça. Ils ont tous des vieux noms pourris. Regarde, les grillons qu'ils ont eu à Alison aujourd'hui. Ils ont même pas... Eh si, il y a un jeu que je voulais m'acheter que j'ai pas fait, c'est... Les Conan Exilés. Ben, moi je voulais me prendre aussi, mais quand j'ai vu le jeu de survie que c'était, ça m'intéresse pas. J'ai hésité à me le prendre, mais puis je l'ai pas pris. Il y a un jeu en ce moment qui vient de sortir il n'y a pas si longtemps que ça qui prend pas mal, c'est Detroit Become Human, mais c'est un jeu surtout de... Ouais, je l'ai essayé en démo, moi. C'est pas un... Ouais, c'est... Comment on appelle ça? C'est du... Click and Touch et... C'est un jeu de... Comment on appelle ça? C'est un jeu narrateur, quoi. Voilà, c'est du nanar, quoi. Mais après, c'est un bon jeu. C'est dans le même truc que... Beyond Two Souls et V-Rain quoi. Ouais. Et moi j'ai kiffé ces deux-là. Moi je l'ai essayé en démo, honnêtement il est pas mal. Essaye la démo, tu verras. Franchement c'est super bien réalisé. Moi j'aime bien. Ouais. En plus graphiquement il est beau. Donc voilà, je suis en train de regarder un peu les jeux qui sont sortis, les jeux qui sortent. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Donc on verra. Ça sera plutôt des jeux qu'on va me dire, bah tiens, prends-les pour qu'on joue ensemble. Ouais, la blessure de Mohamed Salah.
aussi un jeu que j'aurais bien voulu jouer, tiens, Stevie de Crew, il sort le 29 juin, je sais pas si tu l'as vu. Oui, tout à l'heure. Ouais, je sais plus si tu l'as vu. Il y a un jeu que j'aurais bien acheté, mais qui était que sur One, et PC, c'était Sea of Thieves. Ah ouais. Je pense que j'aurais bien joué à ça. Moi, j'hésite à me le prendre, mais je... Ouais, et puis One, je prends pas l'abonnement, ça me revient trop cher entre PS4 et One. Puis j'ai personne sur One. Je joue qu'en solo pour l'instant. Ouais, mais ça vaut pas le coup. Ce jeu vaut pas le coup de l'acheter en solo. Allez, ils reviennent sur le terrain. C'est quoi, c'est Warhammer quand même? Qui a joué que 3 matchs comme titulaire cette saison avec Liverpool. Oui, vous avez vu. C'est vrai qu'en correspond ça. Sort le 5 juin. Se projeter dans le haut niveau avec cette finale de Ligue des Champions. On rappelle l'enjeu majeur pour le Real Madrid, gagner un 3e trophée consécutif. Ce serait du jamais vu. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ah oui. Par rapport à Zizou, s'il gagne, ça fera 3 fois qu'il gagne en suivant. Ça y est, reprise du match, ouais, c'est parti. Il faut savoir qu'il a gagné. S'il gagne ce soir, il gagne 3 fois en tant qu'entraîneur. Mais on pourrait même dire 4 parce que l'année d'avant, il avait gagné avec Ancelotti comme entraîneur adjoint, tu vois. Donc ça pourrait être la 4ème Ligue des Champions d'affilée qui gagne en tant que membre d'un staff. Hein. C'est ça. Allez, Liverpool en attaque. Hop, 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 hop. Allez, Navas. Benzema qui a le ballon. Il a plus le ballon. Bon, c'est toujours le Real qui l'a, mais... Benzema qui se fait un peu plus présent dans le match depuis tout à l'heure. Oh, centre Benzema! Oh, dégagement! Dégagement de... Ronaldo qui n'y avait pas cru. Oh, oh, un but! Non, transversal, putain! Je pensais que ça avait rebondi, ça avait fini. Oh putain, transversal! Oh, moi aussi j'y ai cru, ouais. Putain, non, ils ont osé. Et Ramos très intelligemment qui dit à son partenaire Isco de frapper. Car il sait qu'il est en meilleure position que lui. Il lui montre, vas-y, prends le ballon. Donc très intelligent de la part de Ramos. Vraiment grosse occasion pour ouais. Benzema qui réattaque d'entrée. Par contre, j'ai vu le gardien inter, le gardien de Liverpool. Je sais pas s'il s'est blessé ou pas, mais je l'ai vu par terre sur le centre de Benzema. Je comprends pas pourquoi il est à terre. Donc, il a pas sauté. Mais... Ah, du coup, je cherche le nom du joueur qui a fait transversal, quoi. Et ça m'équipe. Ça m'a... Ouais, mais ah, c'est Isco, voilà, transversal de Isco qui est magnifique en plus. Donc il a transversal le joueur. Transversal.
Bah non, mais c'est bizarre. Bah de la façon dont tu le dis en fait, donc c'est bizarre, c'est pour ça que je me suis Oh putain. Oula, moi c'est... Je sais plus qu'est-ce qu'il fait là. Très compliqué la partie. Et attends, les français, ceux qui veulent être marrants. Kroos qui récupère et Ronaldo qui râle alors qu'il rate sa passe et il arrive à râler sur son coéquipier comme quoi. Kroos qui a récupéré en sortant la crosse, il s'est cru au catch. Oh, faute! Faute sur Marcelo. Et... Ah, mais c'est le nom du joueur qui a fait la faute, cherche. Ah, Marcelo, sont pas blessés, je les connais pas, c'est bon, il faut arrêter les conneries là. C'est Firmino qui fait la faute sur Marcelo. Et en plus, il fait la faute alors qu'il est sur la ligne de touche. Voilà. C'est-à-dire, il... Ah, volontairement. Hein. Il marche sur le bout du pied, en fait. Ils ont la pression, ça y est. L'hiver poulet, ils ont la... Je sais, ça se dit pas comme ça, mais j'avais envie de sortir une blague pourrie. Oh, il y a l'hiver poulet au sol. Allez, Real. Oh, t'es hors jeu, hein. Oh! Oh! But de Benzema! But de Benzema sur le con! Oh, yeah! Oh, c'est but à la con! Ah, c'est un but à la con? Oh, but de Benzema! Ah, il contre la relance! Ouais, il contre la relance, c'est Karius, ouais. Ah, c'est improbable comme but! Même eux, ils y croient pas, gars. Ils y croient pas, pardon. Ils y croient pas. Oh là là, j'y crois pas. Un but improbable. Le Real gagne la Ligue des Champions 1-0 sur un but comme ça. C'est un but chateux. C'est totalement improbable. Attends, on ralentit, ça donne. Parce qu'à base, il était pas hors jeu, non? Et en fait, mais alors le gardien est quand même assez con parce que. Le gardien est con, oui. Benzema est devant lui en fait et il relance et le gardien oh là là la droite du gardien et le gardien relance à la main à droite donc en fait Benzema a juste à tendre son pied et voilà ça contre le ballon et contre c'est vraiment le gardien qui fait une connerie là dessus il doit relancer sur la gauche sur sa gauche pas Benzema est juste à droite donc c'est complètement ridicule ce qu'il fait. Ah, il peut gueuler, mais alors si le but est validé, c'est de sa faute, quoi. C'est lui qui fait l'erreur là-dessus. Bah, grave. Oh, Ramos qui plonge un peu quand même là-dessus. Hein. Il râle, il plonge un peu. Mais bon. Et il va pas se prendre de carton, logiquement, il va lui dire c'est la première, calmez-vous monsieur Sané, Sadio Mané, pardon. Il y a quelqu'un là? Oui, je suis là. Ah ouais, bien moi quand tu bouges le micro, je croyais que ça avait planté, c'est la fin. Oh, but château, sérieux. Mais il est con le gardien d'avoir fait une relance comme ça en plus. Arrête terre. Alors que t'as Benzema devant, quoi. Bah voilà, c'est arrête terre la relance en soi, c'est pour une relance courte et rapide. S'il gagne. Il la relance du mauvais côté, quoi. Il doit relancer sur sa gauche, il relance sur la droite, alors que Benzema sur sa droite. C'est surtout le mauvais choix de côté en fait qui est con. Ouais, j'y croyais pas au but, hein. Je l'ai vu dedans, mais j'étais pas sûr. Attends, il y a quoi? Il y a en jeu? Il y a quelque chose? Il y a quoi là? Même eux, ils demandent, même les commentateurs.
commentateurs et ils disent qu'il faut aller voir le règlement pour qu'il y ait un éclaircissement. Est-ce que c'est pas évident que ça soit vraiment légal en fait? Pas légal, mais. Bah si, il l'a relancé. Du moment que le ballon est relancé, ils ont le droit de contrer. Bah hein. Ouais, mais t'as vu, ils sont pas sûrs en fait, les commentateurs. Donc Abidjan, ils disaient bien qu'il fait. Après, est-ce que... Dans tous les cas, l'arbitre a validé le but, donc voilà. Oh ! La tête de Liverpool qui a failli... Ou Varane qui réussit à... Heureusement que Varane la touche. Ouais, et c'est lui qui lève la balle. Heureusement que Varane la contre et que ça lève la balle, que le joueur de Liverpool ne peut pas la reprendre. Hein. Oui, Firmino, il... Il manque pas grand chose, Varane la touche pas. Du coup, corner. C'est possible. Il y a 1-1. Vraiment, belle défense de Varane. But Liverpool ! Bien joué ! Je t'avais dit 1-1, match nul. Je t'avais dit que ça va finir 2-1. Je vais te voir que j'avais raison. Tu vas voir que j'avais raison. Bravo, Liverpool. Au moins, eux, Liverpool ont marqué un but pas châteux. Liverpool égalise. Ah, mais bon. Et qui c'est qui marque ? C'est Sadio Mané. Oula, oula, qu'est-ce que c'est écrit? Ah oui, attends. Sadio, c'est son prénom, c'est juste Mané, M-A-N-E. Mané. Mais bon, Mané sur tête. On n'avait pas vu du tout. Non, il n'a pas marqué de la tête, il a marqué du pied. Ah oui, du pied, pardon. C'est l'autre qui fait. Attends, oui, du pied. Ah, du... Ouais, joli en plus, hein. En tout cas, ce que je t'en veux dire, c'est qu'on n'avait pas du tout vu Liverpool depuis le début de la deuxième mi-temps et un corner, un but. De Madé, ouais. C'est joli. Hein. Ouais, joli. C'est un renard de surface, il a réussi à bondir. Bah, ils sont contents, tu m'étonnes, ils ont concédé un but. Un beau match, je m'en doutais. Des buts, ils sont là, 1-1, c'était sûr. C'était sûr. Première mi-temps, pas de but. Deuxième mi-temps, 56e, déjà deux, un but chacun. C'est beau, hein. En tout cas, le Real doit tout refaire. Il avait fait le plus dur en ouvrant le score. Avec un gros coup de chatte. Real. C'est pas un gros coup de chatte, c'est plutôt une erreur du gardien adverse, c'est surtout ça en fait. Mais oui, justement, il aurait pas fait cette erreur là. Mais franchement, prendre un but comme ça en finale de ligue, moi je dis, c'est. J'allais dire, franchement, là c'est. Ça arrive, hein. En tout cas, le Real remet le pied sur le ballon. Il va essayer de marquer le deuxième but, quoi. Benzema qui redescend assez bas. Non, et Benzema, le but qu'il a marqué, ça va faire remonter les statistiques, ça. Bah ouais, c'est la première en 3 finales ou 4 finales. Ah, il a peut-être même joué en... Je sais pas combien de jeux de finale de Ligue des Champions il a joué. Bah, c'est au moins la 3ème d'affilée, c'est sûr, mais il a dû en jouer plus. Et bah, c'est seulement son premier but en Ligue des Champions, en finale. En finale, il n'avait jamais marqué, jamais fait de passe décisive. Parce que là, c'est marqué, Benzema vient d'inscrire son 5ème but cette saison en Ligue des Champions. C'est son 56ème en 104 matchs de C1. Voilà. Donc ça fait quasiment un match tous les deux buts. Quoi. Un match tous les deux buts. Ouais, le contraire, plutôt, c'est mieux, non? Ça serait bien en fait,
cette version là. Allez, je note son but parce qu'il est vraiment incroyable. Allez hop, j'ai noté 4,57. C'est un but incroyable quand même. J'ai du mal à y croire. Hein. Putain. Ah, chaud quand même. Faute, non? Même pas, je saute tout seul, ok. Oliver Poul en attaque! Oh, il se casse la gueule tout seul, il perd l'équilibre. Il a vu un coup de trop pour la mi-temps. Oh, ça joue, là ça joue. Hein. Là ça joue de côté, hein. Ça court. Hein. Ouais, il y a un peu plus de contact, un peu plus de tampon. Ça anime tout ça. Alors, c'est au carton, jusqu'à maintenant, il y a eu zéro carton, il me semble. Il y a eu deux blessés, c'est pas mieux, hein. Allez, Benzema. Benzema. Oh, il est chaud, Benzema. Ouais, Benzema, ça y est, ça l'a motivé le but. C'est bon, on sent qu'il est dans la finale. Il redescend pour récupérer des ballons, il fait des petits gris-gris qui dribble les joueurs. Il nous fait du Benzema, quoi. Mais c'est vrai qu'il y en a un qu'on voit pas du tout, c'est Ronaldo. Ouais, là il est complètement absent. Après, s'il a pas les ballons non plus et qu'il est pas en bonne position, c'est pas de sa faute, il est pas tout seul sur le terrain. Mais il va pas le chercher, c'est vrai qu'il bouge pas de sa surface de. Au centre! Ça c'est bien joué. Oh! Dommage! Belle frappe de Nacho et bel arrêt de Karius. Vraiment joli. On fera le corner pour Real. Oh, bonsoir à ceux qui viennent de rejoindre le live. Bienvenue à vous, 8 personnes. Enfin, du coup, 6 personnes parce qu'il y en a 2. Normalement, il n'y en a plus que 6. Voilà. Ah. Oh Oh il va rentrer à la place de qui? Place de Ronaldo. Ah, voilà mon joueur préféré, Bale, qui rentre. Là, ça va courir par contre. Ouais, c'est bon. Le deuxième but, il va arriver. Il y a Bale, c'est obligé. Gareth Bale rentre. Sortie du Isco, Gareth Bale qui rentre. Bale qui n'a pas beaucoup joué cette saison. Hein. Non. Blessé. Beaucoup blessé. Allez Bale, j'adore ce joueur. Qu'est-ce qu'il... Il n'y a pas de Y à Bale. Je sais. C'est B-A-L-E. J'en ai pas mis. Ah bon? Ah bah si, je t'affirme. C'est peut-être ton T9, mais... Mais non, c'est avec le PC, c'est avec le PC. Je l'ai marqué comme ça, c'est B-A-L-E, on est d'accord. Oui. Ah oui, putain, pourquoi il m'a mis le Y, lui? Ah oui, je sais pourquoi il me l'a mis. J'ai fait corriger pour le truc et ça m'a mis à Y pour... Parce qu'il connaissait pas le nom, ce con. Abruti. Ah ouais, les noms de joueurs, c'est vrai que sur les lives, ils connaissent pas forcément. Abruti. Oh, on s'en fiche, c'est pas grave. Encore, t'aurais mis... Il aurait changé pour... Qu'ils connaissent pas Thomas Monconduit qui joue à Angers, je comprends. Pour Real Madrid... Putain, l'ordi doit connaître. Voilà, les Real ils sont chauds. Hein. Ah, ça y est, Bale qui touche son ballon. Encore Bale. Encore Bale. Ils vont jouer que lui, tu sais. Ça, c'était joli, ça. C'était bien joué. Jouer sur la ligne de touche sans perdre le ballon. Ouais, Ronaldo, enfin! Je crois qu'il tape ça, il joue pas perso par contre. Hein. Salut Tony, Tony59006. Salut à toi Tony. Il y a un partout. Il y a un. Oh, but! But de Bale! Je te l'avais dit qu'il allait marquer. Allez, but de Bale! Il vient de rentrer, il y a quoi? Il y a 2 minutes qu'il est rentré, il marque. Qu'est-ce que je t'avais dit? Il rentre, deuxième but, il est là. Je te l'ai pas dit? Je l'ai pas annoncé? Magnifique. But de Bale! Tony, il y a 2-1 maintenant pour Real. Score 2 pour Real. Il vient de rentrer.
qui fait un retourné acrobatique. Alors pas aussi beau que celui de Ronaldo. Ah, il est magnifique. Il est magnifique. Centre de. Il est pas aussi haut. Oh, elle a retourné par derrière en plus. Et c'est l'autre qui fait le centre. Hein. Marcelo. Hein. Ouais, j'ai pas vu qui c'est. C'est Marcelo qui fait le centre et c'est Bale qui reprend à en retourner. Dégoûté. Ah ben nous non, nous on est pour le Real, on est content. Désolé Tony. Ah ouais non. Moi je suis ouais pour le Real aussi. Bah dégoûté pour toi. Désolé pour toi. Après vous méritez aussi de gagner parce que vous êtes bon. Honnêtement Liverpool, rien à dire, il joue bien. Oh Zizou il est content, tu m'étonnes. Même Zizou il en croit pas du but quoi. Bon il en manque plus qu'un Ronaldo quoi qu'on n'a pas vu encore une fois Ronaldo qui vit mal Ronaldo. Ouais il vit mal ouais. On le voit pas trop encore, il est décevant pour l'instant. En tout cas les buteurs côté Real, Benzema et Bale. Et les deux B de la BBC. Il manque plus que le C quoi, Ronaldo. Et bah Cristiano Ronaldo pardon. Et Sadio Mané pour Liverpool sur corner. Mais vraiment, vraiment gros gros but, superbe but de Bale. Le magnifique but de Bale. Je t'ai dit, il rentre, le deuxième but arrive. Et ben voilà. Même pas 3 minutes après son entrée, il nous fait une retournée. Voilà, c'était obligé. Bale c'est une bête. Il y a encore un super plan de Marcelo. Marcelo qui est un super joueur aussi. Ouais, mais Marcelo, tout ce qui est centre et tout. Allez, le troisième but pour Real peut-être ? Eh non. Bon, pour l'instant, 2-1, tu vois, c'est le score que j'avais annoncé. Bon, et par contre, il n'y a pas les prolongations. C'est sans les prologues. Tu peux te planter pour ça. Je dis 3-2, tu vois, mais ça peut encore 3-2. Ils sont chauds, ils sont chauds. 2-1, ça y est déjà. Là, c'est Bale qui a encore le ballon. Le Real qui conserve le ballon depuis la reprise du jeu. Honnêtement, Liverpool, on les voit plus trop là. En plus, ils ont perdu leur buteur principal. C'est dommage. Bah, je pense que Liverpool, c'est un gros coup sur la tête en fait. Ouais. Ils sont égalisés directement après le premier but et ils en prennent un deuxième assez rapidement aussi. En plus, ils perdent leur buteur principal sur blessure. Je pense que ça va leur mettre un coup au moral et malheureusement pour eux je pense pas qu'ils reviendront au score. Bah ça serait bien pour mon pronostic mais après pour le match en lui-même je pense que ça va être compliqué pour eux. Marcelo qui a été chercher Benzema, mais ils se sont pas trouvés sur le centre. Pouah, elle est magnifique, croix de ça. Pouah, elle a retourné. Et à passe à ras de. À ras de la transversale, regarde ça. Elle est magnifique. Et le gardien ne peut rien faire, même lui il est dégoûté. Bon, on sent quand même qu'il n'est pas aussi haut et aussi gainé que celui du. Ah non, c'est contre la Juventus, que celui de Ronaldo contre la Juventus. Tu étais vachement haut, mais bon, faut réussir à le faire et le mettre. Ronaldo, il est content, tu m'étonnes. Il est fier, hein. Ronaldo, il est content, mais il se dit, putain, c'est con que c'est pas moi qui l'ai marqué, quoi. Mais il est content quand même, parce qu'il est content de gagner, forcément. T'étouffes pas, à force de gueuler, t'es en train de s'étouffer, tu sais, le... En tout cas, on va dire Ben Klopp qui est toujours en train de motiver ses joueurs en leur disant c'est pas fini, il y a que 2-1, il reste à pas 20 minutes à peu. Bon, faut y aller, quoi. Bougez-vous le cul, les gars, c'est pas fini. Et puis, il y a mon pronostic de 3-2, donc faut pas déconner, quoi. Ouais, il y a mon pronostic 2-1.
Le sera-t-elle capable une deuxième fois? Eux, on s'en aperçoit quand même. Robertson. Attention, Varane, Oh, Liverpool qui a eu une bonne occasion. Ah, Ramos qui dégage, mais il s'est fait mal hein, en dégageant. Je crois que c'est une crampe. Non? Ouais. Il s'est fait. Je crois qu'il a fait une crampe en levant. Non, c'est bon. Sergio Ramos, si, c'est bon. Il s'est relevé, c'est bon. Allez, Liverpool peut peut-être marquer le deuxième but sur corner, hein? Oh, dégagé. Oh, il y a un qui sort. Bien joué. Belle sortie de Navas. Navas, du point qui dégage. Joli. Là, Varane s'était fait malmener en faisant la surface par son. Par son défense, par son. Comment dire, l'adversaire direct. À Liverpool qui frappe! Oh le poteau! Oh le poteau pour Liverpool! Le poteau pour Sané. Mané qui a encore failli marquer. Putain, le gadget est battu en plus. Il saute du bon côté, mais un peu trop tard. Elle aurait pu rentrer. Oui, Navas s'était battu, oui. Ça, c'est sûr. Grande finale de Sadio Mané. Ça ne surprendra pas ceux qui suivent Liverpool régulièrement. Wijnaldum. Ouais, Sadio Mané, c'est vrai qu'il fait un gros match. Ils sont pas à l'abri d'en prendre un deuxième, Real. Hein. Ouais, normalement, bien sûr. T'as pas arrivé, hein. Après, le problème de Liverpool, c'est qu'ils ont une occasion une fois de temps en temps. Ils ont pas beaucoup de ballons. Ouais, mais quand ils l'ont, ils sont dans le jeu. oui, mais c'est parce que ça se projette très vite en à l'avance, pour ça. Voilà, ils ont une bonne défense centrale quand même, le Real, entre Ramos et Varane. On Liverpool en attaque encore? Non, ça donne rien. C'est vrai que Varane il est sur tous les coups. Oh ah Ronaldo. Ronaldo, Benzema. Il va frapper. Rien du tout. Rien du tout. Ronaldo a voulu jouer encore perso. Et voilà, rien du tout. Voilà, il dit désolé Benzema, je t'ai vu, mais bon, j'ai voulu y aller. C'est ça. Ah voilà. Il pousse trop loin son ballon. Ronaldo. Varane fait un super match. C'est plutôt bien pour la Coupe du Monde qu'il va arriver. Hein. Titulaire indiscutable en équipe de France, c'est plutôt sympa. Ça va le mettre en confiance, c'est ça. Attaque de Liverpool. Centre contré. Oh, la frappe. Demande une main. Liverpool demande une main. Mais bon, la main avait l'air collée au corps. Donc normalement, il n'y a pas de main, je pense pas. Ouais, non, tu peux pas siffler main là-dessus. Elle est collée au corps et elle agrandit pas la surface de contact du joueur. Donc non, il n'y a pas main. Oh, oh, Ronaldo. Oh non, Ronaldo, il s'est fait contrer par le gardien. Oh, le retour d'Anderson. Non, c'est comment il s'appelle? Oh, il y a une crampe. Ouais, il y a une crampe, lui. Il fait le gros effort. Comment il s'appelle? C'est... Ah ouais, il a contre bien, Ronaldo, là, quand même.
Il te fait un tacle glissé et il tend la jambe, quoi. Ah oui, il fait un super tacle glissé. Magnifique contre. Ronaldo... Magnifique contre. Ronaldo frappe. Et puis en plus Ronaldo, quand tu vois la puissance de frappe qu'il a, tu contres ça, tu vas pas passer la jambe. Même si là, il a pas frappé suffisamment fort. Non, mais... bah là, il a pas eu le temps. Il a pas eu le temps, mais. En tout cas, une crampe à la 73e minute pour ce joueur de Liverpool. Ouais, Marcelo. Centre de Marcelo. Ils sont en train de se demander est-ce qu'ils soient en jeu, Marcelo. Mais ils ne doivent pas être en jeu, ils sont bien. Ah, il récupère le ballon. Faute ou touche, ça sera quoi? Touche, je crois, non? Ah, non, il y a peut-être faute. Oui, il est marche le pied. Ouais, mais bon, il avait perdu. Mais il avait perdu le ballon. Ah, il y a coup franc. Il y a coup franc, il y a faute. Monsieur l'arbitre. Ouais. Généreux, monsieur l'arbitre. Un peu trop, ouais. Là, il faut siffler, il siffle pas trop et. T'as l'arbitre de touche qui voit rien et. L'arbitre français là qui. Qui est un petit peu trop généreux. Ah non, mais l'arbitre français c'est celui qui a mis le temps additionnel, celui qui a levé le. L'arbitre français c'est celui qui a mis attention. Le temps des 3 minutes. Donc lui il gère pas le match. Oh belle ouais, alors... Ah oui merde, oui t'as raison. Attends, il y a hors-jeu là-dessus. Ah oui, il peut. C'est tout hors-jeu, c'est 14 jeux. Improbable quoi. Le prix. Bah, attends, comme le premier but de Benzema, improbable. Je crois que c'est un match d'improbabilité en fait. Vous voyez, Ronaldo, on le voit à la fin. Tu sens qu'il vieillit, hein. Ronaldo, il a plus la même puissance dans ses courses qu'avant. Il fait plus la différence. Hein. Autant il marque du coup de but dans la surface, mais quand il faut partir en contre-attaque, faire du 1 contre 1 contre. Du 1 contre 1 lancé contre d'autres joueurs, tu sens que. Mais ouais, mais ils vieillissent. Hein. Ça commence à se faire sentir. C'est pour ça que leur carrière est courte en principe, hein. Et que leur retraite est tôt. Hein. Ouais, mais je sais pas quel âge il a, Ronaldo. 33, 33. Un truc comme ça, peut-être 32, je sais plus. Attends, je regarde si tu veux. Bon, je suis sûr. 32, 33 ans. Ouais, 33 ans, ouais, c'est ça. Et Bale, il est plus vieux pourtant, il court toujours aussi bien. Hein. Bale, non, il est plus jeune. Ah ouais? Ah, peut-être. Hein. Liverpool en attaque. Hein. Ah, il a mon âge, Bale. Ah ouais, il est jeune en fait. Ah, il a que 28 ans. Putain, il fait plus vieux pourtant. Hein. T'as eu un problème de. Ouais, c'est mise en veille, ma PlayStation. Ça faisait trop longtemps que j'avais pas touché de touche. Pourtant, je le fais assez régulièrement, mais là, j'avais pas dû faire un bout de temps. Et du coup, elle s'est mise en veille toute seule. Quand je disais, Bale est à mon âge, je le voyais plus vieux pourtant. Les joueurs de foot, tu les vois souvent plus vieux qu'ils ne le sont. C'est ça. Ou plus jeunes. Ça dépend en fait, c'est soit plus vieux, soit plus jeune en fait. Voilà, 78e minute, Liverpool qui essaye de passer, mais il galère. Oh,
dommage. Oh, dommage. Oh, Kroos a pas osé faire la passe. Il y avait un super appel de... Je sais pas qui, je me demande si c'est pas Nacho qui a fait un super appel. C'est dommage, ce match. Bon, le Real qui fait tourner un peu le ballon pour l'instant. Et par contre, hein. Ah, Klopp, non, c'est un sanguin. Ouais, attends, ouais. Ils sont en train. Ils vont un peu vite en deux zones. Le match n'est pas terminé. S'amuse un peu à faire tourner le ballon. Il y a que 2-1, mais ils se sentent forts, je pense. C'est pour ça qu'ils le font d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Ils ont l'air assez sereins. Assez confiants, ouais. Ah, dommage. Dommage pour Modric. La passe n'est pas arrivée jusqu'à Bale, qui avait donc proposé un bel appel en profondeur. C'est arrivé à Zizou, il récupère la balle. C'est ça. Ah, Zizou qui part en dribble. Oh, attention, Zizou est en constat, hein. Putain, il a pris le ballon. Oh, frappe de Zizou. Eh non, c'est à côté. Il a perdu son mot cassé, Zizou. Putain de merde, son mot cassé. Non, c'était un petit peu de... C'est une blague, les gens. Il nous a fait quoi, lui? Le joueur du Liverpool nous a fait quoi? J'ai pas compris. Allez, Bale, quel ballon? Bale. Centre de Bale. Oh! Oh, la frappe de Benzema, quoi! Oh, est-ce que... Oh, papa. Le pied de Bale est juste magnifique. Ouais. On voit que c'est des joueurs de prendre ça. On voit l'effet du ballon, quoi. Putain. Il te met un extérieur du pied. Il te met un centre de l'extérieur du pied qui tombe juste une peu pour Benzema pour qu'il puisse frapper directement. C'est juste magnifique. C'est ça, magnifique, magnifique centre de Bale. Quand je te dis que c'est un joueur de classe, lui. C'était sûr qu'il rentre en deuxième mi-temps, c'était obligé qu'il ça égalise. Je pensais pas qu'il en aurait marqué un lui forcément, mais je savais qu'il allait dans le coup. Benzema qui recule avec le ballon, qui repasse à Ramos, ils vont faire tourner. Ah, faute. Sadio Mané qui paye la petite faute sur Ramos. Carton jaune pour Liverpool. Premier carton et c'est pour Mané. Ah oui, elle est belle. Et puis la faute elle est bien comme il faut en plus. Ouais, c'est un peu une faute de frustration, je pense. Ils ont pas trop le ballon. À la 92e minute, carton jaune pour Mané. Ouais, mais c'est de la frustration, parce qu'ils touchent pas beaucoup le ballon. Liverpool en ce moment, ils ont pas trop d'action et ils sentent que cette finale leur échappe. Ouais, je peux les comprendre. Ah, James Miller qui sort et André Kahn qui rentre. Ok, hop. Centre de... transversal plutôt. Ouais, transversal sur Bale. Oh, frappe de Bale. Oh, but. But 3-1. Et deuxième but de Bale. Allez. Putain, mais... Le gardien avait mis du savon sur ses gants, et voilà. But de Bale. J'ai le douche dans les gants, du gardien. À la 84e minute, c'est ça? Il a pas de chance, le gardien, il fait des boulettes ce soir. Hein. Ouais. Mais 3-1. C'est, par contre, il y a 3-1. Hein, ouais. Belle frappe, en tout cas. Vraiment belle frappe, il attente. Minute. Là, on peut officiellement le dire, hein, je pense que... Real a gagné la finale de la Ligue des Champions.
Putain, il est magnifique, le but. Oh, oh là là, j'adore. Quel joueur de grande classe, ce Bale, quand même, il faut se le dire. Et puis, il frappe de loin, en plus. Hein. Ah, super loin. Bien et la ah ouais, mais en fait, le gardien il est pour rien, il peut pas la reprendre en fait. Elle arrive tellement vite et puissant le ballon qu'il a. Il doit juste la repousser, il veut pas la capter. Il la repousse, mais elle glisse sur les gants. Ah non, mais il a mis du savon sur ses gants. Si, si, il a fait une... le but est pour lui. Hein. Il met ses mains un peu plus haut, c'est bon. Hein. Sauf qu'il est pas. Il est trop sûr de lui, le gardien là-dessus. Ouais. Putain. Du gel douce sur ses gants. Par contre, j'aimerais bien savoir à combien il a tiré quand même, parce qu'il a tiré super loin. Le gardien, il prend sa douche à la mi-temps, il a oublié d'enlever ses gants, il restait un peu de savon dessus. Oh, Bale! Bale à l'attaque! Bale! Oh non! Oh, tacle glissé du défenseur Liverpool. Dommage, putain, et Bale, il est monté sur ressort, ça se passe comment là? On dirait Ronaldo, quoi. Hey, il le remplace, hein. Belle défense de Lovren, quand même. Ouais. Qui arrive à taper le ballon juste au dernier moment. Ouais, la saison dernière, c'était Ronaldo doublé, mais là, c'est Bale. 3-1, putain. Voilà, surtout que Ronaldo... Il est absent, quoi. Faut bien que quelqu'un le remplace, hein. Même très décevant pour Ronaldo, de sa part. Putain. Allez, Kroos qui joue le corner. Ou c'est Modric? Ah, Kroos sur Modric, il joue à deux. Ils vont récupérer un nouveau corner. Bon, il reste plus que 5 minutes sur le temps additionnel. Oh, il pleure le petit. Ouais, supporter de Liverpool, le gamin. Les gamins, ils sont en pleurs. Ouais. 5 minutes avant les 90e minute, donc pour Liverpool, je pense que c'est un petit peu mort. Hein. Par contre, j'aimerais bien savoir à combien il marque. Ouais. Combien de mètres il marque? Parce que il tire de super fort en vrai, de super loin, je veux dire. Non, il tire de super loin, Bale. Putain, une frappe comme ça. Allez, Ronaldo qui a le ballon et qui se fait chipper le ballon. Ronaldo qui fait vraiment de la merde comme le début de cette finale. C'est vraiment décevant de le voir comme ça. Honnêtement, il tire d'un. Pour faire un petit peu topo, Bale tire là de au moins de. On va dire de 4-5 mètres avant la surface de. Plus, je dirais. Ouais. Et il est trop belle sa frappe. Moi je vous le dis. En tout cas, c'est un peu inquiétant de voir Benzema. Ronaldo comme ça, avant la Coupe du Monde. Mais attends, est-ce que c'est pas fait exprès? Ah non, pas une finale de Ligue des Champions. Ce serait un vieux match de championnat tout pourri, ouais, pourquoi pas. Mais c'est quand même une finale de Ligue des Champions. C'est un joueur qui adore se montrer, qui a un ego surdimensionnel. Ben c'est pour ça qu'il joue perso et c'est à cause de ça, ça lui veut. Ce que je veux dire, c'est qu'il va être le héros de cette finale, donc là non, là il se préserve pas pour la Coupe du Monde, c'est juste que ce soir il est pas dedans, il a pas de ressources, je sais pas, il est pas en forme, on a aucune idée, mais c'est pas fait exprès, c'est pas pour se préserver pour la Coupe du Monde, parce que c'est pas du grand Ronaldo ce soir malheureusement. Bah ils peuvent pas tout être en forme, moi c'est ce que je dis, c'est. Attends, t'as Bale, t'as des gros joueurs avec lui, c'est vrai que il est pas tout seul. Il a pas forcément tout le temps les ballons, et quand il a le ballon, et bien il essaie de se montrer, il joue perso, sauf que ce soir ça passe pas, tout simplement. Tout simplement, le problème est là. Tu sais, Ronaldo, il a fait beaucoup de matchs où on ne voyait pas, il était nul. Hein. Honnêtement, j'en ai vu beaucoup, et cette saison, il a été beaucoup absent, Ronaldo. Les saisons d'avant, bon voilà, après il est 5 fois ballon d'or. Non, mais c'est vraiment la première saison où il est... Ah, Benzema sort ? Oui. Ah, Benzema sort. Il a vraiment des grosses stats, Ronaldo, mais dans le jeu cette saison, il a vraiment été mauvais. Sur énormément de matchs.
Alors, est-ce que c'est, voilà, 33 ans, est-ce que c'est le début du déclin? C'est possible, hein? C'est possible. C'est possible. Après, moi j'ai dit, tu peux pas être aux formes tout le temps, au top tout le temps, c'est pas possible. Tu peux pas faire du Ronaldo tout le temps, quoi. Voilà, cherche le mot. Tu peux pas. Oui, je suis d'accord. Après, ça. Cette saison, ça a été très, 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 très souvent. Mais regarde, regarde Messi. Ça se voit qu'il est vieux aussi, hein. Et pourtant, il reste au top. Mais des fois, il aurait pas du soutien derrière avec lui. Des fois, les ballons, il va pas tout le temps les chercher non plus. Hein. Mais après, Messi, il est un peu plus vieux déjà. Je suis pas d'accord avec toi. Messi a fait une très grosse saison. Oui, je dis pas le contraire, mais il va pas tout le temps non plus. Mais après, Messi, c'est c'est pas comme Ronaldo, il joue beaucoup plus technique et. Ils bougent pas pareil, ils sont différents. C'est deux joueurs différents qui. Ils se valent, mais c'est différent, quoi. Bon, Messi, je l'ai toujours adoré depuis qu'il a commencé. C'est un joueur que j'ai toujours. Toujours kiffé voir jouer. Et pour moi, je trouve que Messi, c'est le Messi, quoi. Ce que j'aurais aimé, c'est voir Messi dans un autre club. Voir un peu s'il pouvait faire exactement pareil ou pas. Parce que Ronaldo, on l'a vu, il a été à Manchester. Il a fait trois clubs dans sa carrière. Ouais. Il a commencé au Sporting Portugal. Après, ouais, Manchester United. Et après, Real. Ouais, bon, à United, il a fait. Il s'est super aussi à United. Le Real, il a fait fermé. C'est vrai que Messi, depuis tout petit, il est au Barça. Et c'est vrai que j'aurais bien voulu. Bon. Voir. Bon, attention, Liverpool. Non. Vers 28-29 ans, pour voir si t'es capable de faire la même chose dans un autre club. Allez, 90e minute, il y a 3 minutes de prolongation. De temps additionnel. Ouais, j'ai compris. Ouais. Bon, ben. Mais bon. En tout cas. Bon, moi, les deux. Les deux sont tombés à l'eau pour moi. Pas de prolongation en plus. Mon diagnostic est tombé à l'eau. J'avais dit 3-2 pour le Real et on est à 3-1. Ouais. Après, pas à l'abri d'un but de Liverpool à la fin, c'est histoire de. Hein. Gros manque de réussite pour le gardien Liverpool quand même. Il a merdé. Hein. Deux fois là. Ouais. C'est à cause de lui malheureusement qu'ils ont pris le but avec Benzema et là, l'autre but, là, il était trop confiant. De loin, il pensait l'arrêter. Il a pas assez levé les bras. Je pense que. Ah, peut-être le quatrième but, non. Et oui, Ronaldo, tu peux faire la grimace. Tu fais rien ce soir. Tu te fais vieux, mon gars. Tu te fais vieux. La Coupe du Monde risque d'être compliquée pour le Portugal contre l'Espagne. L'ouverture en plus du match, ça va être très compliqué. Ça va être très dur. J'ai de l'orage chez moi depuis ce matin, c'est chiant. Ah ouais, donc on a eu un petit peu tout à l'heure, mais là, ça va. Tant qu'ils peuvent pas trop et qu'il n'y a pas trop d'orage, ça ne coupe pas la connexion Wi-Fi, c'est bon. Ouais, bah moi, il a bien pris ce matin. Ah, c'est très bien parce que ça enlève le pollen des Velux. Pour le travail, ça m'arrange. Ah, Liverpool qui fait sa dernière attaque avant la fin du temps. Et Bale qui défend bien. Et Bale qui défend. Ouh, la faute sur Bale. Mais l'arbitre qui l'a joué. Oh, le Real attaque, allez. Ronaldo. Oh, supporter sur le terrain. Ouais, Ronaldo qui est pas content, il aurait peut-être pu marquer. Putain, il est dégoûté, Ronaldo, tu m'étonnes. Oh, il aurait pas marqué parce que les adversaires se sont arrêtés de jouer et ça s'était refermé devant Ronaldo. Je comprends pas les supporters, comment ils font pour passer. Allez où la sécurité, franchement. Bah oui, mais bon, t'as pas non plus 900 hommes autour du map, du terrain. Non, mais bon, je sais pas, je comprends pas. Et voilà, victoire du Real. Yes, 3-1, victoire du Real, champion de la Ligue. Et voilà, je l'avais annoncé. Real vainqueur. Zizou qui rentre dans l'histoire. Zizou qui rentre dans l'histoire. Déjà qu'il rentre dans l'histoire étant joueur de foot.
Et là, t'es entraîneur. Il le fait aussi en tant qu'entraîneur. Lui aussi, ça va être intéressant de voir si un jour il change. Bah oui, c'est l'entraîneur du Real de Madrid depuis. Et en plus, il vient de rentrer dans l'histoire parce que c'est la première fois, c'est le premier entraîneur qui gagne 3 fois un titre consécutivement. Ça fait 3 fois la fille qui gagne depuis qu'il est entraîneur et tout. Bah, Zizou, c'est un grand Zizou. Bah, Liverpool qui pleure, évidemment. Ah oui. Bon, Ronaldo, il a le sourire, mais bon. Il est pas décevant. Bon, et Bell qui a fait un grand match. Il a fait qu'à deuxième mi-temps, mais ça a suffi pour marquer 2 buts, quoi. Ouais, 2 buts magnifiques. Il est rentré quoi, à la 60e ? 2 buts magnifiques. Il est rentré à peu près à la 60e et il marque 2 buts. Quoi. Et magnifique. Je préfère le préciser encore une fois. Deux buts magnifiques, quoi. Retourner et la frappe de super loin, là. Et Karius qui s'en veut, le gardien de Liverpool. Tu m'étonnes. Il a fait que de la merde. 2 buts sur la conscience. Et voilà. Victoire du Real, on l'avait dit. C'était sûr, pratiquement. 3e consécutif, ouais. Gardien à Liverpool qui est complètement déçu. En tout cas, Zidane a le sourire, hein. Tu m'étonnes. Et Bale aussi, hein. Ah bah ouais. Et puis le gardien de Liverpool qui a fait un grand match aussi, hein, parce qu'il a, il était là, quoi. Du Real, oui, il était là, lui. Hein. Il était là. Parce que le gardien de Liverpool, il a pas fait un gros match. Si, il a fait un gros match. Un gros match pour le Real. C'est ça, il a touché des sous de la part du Real avant d'aller jouer. Bon, mais voilà. Mais sur ce, ben, je pense qu'on va pouvoir couper le live là, parce que là, ça va être la remise du trophée. C'est fini. On va peut-être rajouter. Il n'y a rien d'autre à rajouter, quoi. Bah non, à part qu'on avait pronostiqué la victoire du Real tous les deux. Ouais. Et qu'on avait vu juste. Plus ou moins, moi j'avais dit 2-1 et prolongation, il n'y a pas eu de prolongation. T'as dit 3-2, il y a 3-1. Bon. Dans les deux cas, on avait dit Real gagnant. Voilà. Ouais. Donc, nous on va s'arrêter là. J'espère qu'en tout cas, content de voir que Benzema est marqué. Benzema a bien joué. Plus que Ronaldo en tout cas. Non. Varane a fait un gros match aussi. Ah oui. Donc voilà. Donc, mais. Bah ouais, je pense qu'on va se laisser là du coup. C'est ça. Donc sur ce, Ryder et Drake, on vous dit à très vite. Merci pour ceux qui ont suivi la rediff. Et puis à très très vite pour un autre live, une autre vidéo. Et puis. Real champion. Il faut le dire. C'est ça. Allez, ciao à tous. Allez, bonne nuit tout le monde, bye bye.